La police vient bon côté nous comme pour protéger nous et puis on a un gaz. Amen. Amen. On a un gaz dans mitan nous. Ça veut dire que nèg moun ki kon gaz lacrymogène, là on lance li soit en distance et bien qui environ 100 mètres, 200 mètres, OK. Mais là la police qui a protégé derrière dos la gon gaz dans mitan, ça c'est banditisme. Ça c'est criminalité. Parce que unité ça reconnaît. Unité ça li camper pour nous ba un message. Amen libre constitution nous nan men nous. Et puis, monsieur, la bon gaz, nan mi temps pendant que massa gaz, et que moi-même qui a parlé en bagaye, li connaît ça le faire. Li connaît à qui distance que le campé. Merci beaucoup, la police. Merci, et pas, merci beaucoup, état-major la police là. Parce que grand pile policier qui était sur route là, qui était bien comporté. Je dis à, nous dit, gagné un président, yo le Trump. Mandal fini, li obligé à aller parce que les États-Unis. Mais il était comporté dans la dictature et il t'a soutenu Jovenel Moïse. Il était simplement besoin de vote. Il n'a pas occupé question respect droit de l'homme. Il n'a pas occupé question corruption qui t'a passé dans le pays. Tout rapport institution t'a fait. Question droit de l'homme, massacre fait dans le pays. Il n'a pas jamais occupé. Et nous t'ai dit, dans le jour 20 janvier, ça, côté balgué changement régime, côté démocrate, yo, yo t'ai fait en pile promesse que yo t'ap, yo même, changer Kassakyo, nous venons rappeler vous. Eh bien, promesse que vous avez fait, surtout président Joe Biden et Kamala Harris. Nous venons dire que je dis à peuple haïtien, au rapport avec peuple américain, quand elle t'a aidé, peuple américain libéré. Et c'est là que peuple américain vient de la plus grande démocratie. Et je dis à nous dire, démocratie, attention, peuple haïtien, c'est démocratie le besoin, c'est pas dictature. Et c'est peut-être ça, je dis à nous dire, que nous présents là pour nous rappeler aux promesses. Et mes constitutions. Constitution 1987 là, article 130 amendé à, article 134.2 à, qui dit, quel que soit l'or prêté seulement pendant l'élection, si l'élection a voté, quel que soit l'or prêté à, mandat supposé commencer courir le 7 février de l'année de l'élection. Elle dit 7 février 2016, pour le finir, le 7 février de la 5e année du mandat, qui 7 février 2021.
nous venons rappeler l'article 134.2a et nous dit, président Joe Biden, comme l'a dit, la respecte pour Messie Haïti, la première chose, c'est la Constitution. Nous n'avons pas besoin de demander à Haïtiens qu'à travailler. Nous n'avons pas besoin d'aide, nous aider à voir à terre pour nous. Nous qu'à travailler. Si on aide à nous, c'est pour nous aider à sortir de l'aide. Mais en attendant, nous demandons la loi appliquée. Et c'est peut-être ça que nous t'es déplacé. Et c'est peut-être ça qu'il y a des milliers de monde qui te prennent la rue depuis Champ de Mars. Et l'aide rive l'autre bois, il y a foule la drogue, il n'y a pas quitté nous river. Et c'est peut-être ça, je dis à nous dit, il faut nous bailler un message là quand même. Et même message là, oui, monsieur, t'es empêché pour nous bailler un message là. Policiers, quand on connaît ça, CIMO, CIMO, Corps d'intervention et de maintien de l'ordre, nous, au côté, nous avons un message. Pacifique. Nous pas même camper, nous camper en face ambassade là. Pacifiquement, les vins camper par côté où, Kankou, la bonne sécurité et la gon gaz, un gaz toxique côté que le connaît à quelques centimètres de où, les connaît ça qui attaque où. Et puis la gueule, et puis le gon masse à gaz, et puis de tout qu'il a, les devient nous mourir pendant que nous avons un message. Nous pas tomber et nous pensons que il y a plusieurs autres leaders qui vont le parler avant question et ils vont yo même continuer message ça moi me te rappeler pour qui ça nous vient là et bien sénateur Nenel Kassi pour et Timothée pour continuer avec c'est Timothée Ouni qui va prendre la parole ça fait matin là nous est tout volume monde qui était sorti dans la rue pour te venir devant l'ambassade américaine pour te dire bye bye avec madame Simpson qui te supporte Jovenel dans toute l'obéille, dans toute gagotte, et pourquoi pas aider le mettre campé G9 qui permet de jouer à pays à qu'on est vague et sécurité ça. Nous devons dire, madame Simpson, bye bye. Mais nous devons dire tout, bienvenue avec nouveau administration ça, qui c'est administration Biden. Comme nous connaissons, il te promet avec Haïtien qui est dans la diaspora, question pays d'Haïti, à sous tablier, nous devons là pour nous faire songer, promesse, nous te faire peuple haïtien. Mais en même temps, nous venons là tout. Pour nous rappeler avec la communauté internationale, pays qui dit que c'est un mi-pays d'Haïti. Article 54-2A, lui clairement dit, mandat Jovenel Moïse, président gang, lui fini. Même article qui était appliqué pour parlementaire, pour collectivité, et pourquoi pas, eh bien, pour deuxième tiers sénat, mandat, même bout là, eh bien, nous venons là pour presque même bagaille là. Donc, pour ça, nous venons là matin. Tout le monde, tout l'obéir qui fait pour empêcher nous arriver devant l'ambassade américaine, mais quand même, nous amène nous de courage nous, pour nous montrer le monde entier et pour nous montrer tout le monde qui nous a dit, nous-mêmes qui sommes leaders, nous peu ambassade américaine. Voilà que je dis, pendant nous devant l'ambassade américaine, tout le monde qui nous a dit à venir devant l'ambassade américaine, il n'y a pas venu. Nous devons connaître ce que son problème avec le peuple. C'est une. Deuxièmement, nous besoin qu'on ait tout pour qu'il y ait un groupe de monde qui est capable de venir devant l'ambassade américaine à l'aise, sans sécurité, sans rien, il n'y a pas de gaz. Et par contre, nous-mêmes, depuis sous Champ de Mars, ils ont commencé. Depuis sous Champ de Mars, ils ont commencé à bombarder nous à gaz. Ça, le peuple a décidé qui côté. Eh bien, moun kap bataille pour lier, qui est ce moun qui nous bloque. Mais ça qui est important, c'est que nous-mêmes, nous arrivons là. Nous arrivons là pour nous défendre l'intérêt pays d'Haïti, l'intérêt peuple haïtien, l'intérêt moun qui est mal. Nous sommes devant l'ambassade américaine. Malgré nous camper en face ambassade là, la police fait sacrer une tentative d'assassinat. Lorsqu'on est un bon leader avec peuple campé là, sans masse, ou vide gaz là dans le figu nous, ça veut dire ou te vine tout fait nous. Ou te vine assassiner nous, ou te vine sale image nous devant l'ambassade américaine. Sans compter plusieurs journalistes qui prennent calotte dans la police. Sans compter journalistes qui flitent gaz dans la figure devant l'ambassade américaine. Même, bon, même temps, là, mon journaliste, figure l'enflé à calotte. Donc, je veux dire là, Léon Sal, c'est job sale ça. Il vient faire, eh bien, dans la tête de la police, malgré tes sales images pays d'Haïti déjà. Donc, nous venons là, nous pas trop long, nous venons là pour nous dire. Ça pas camper nous dans le combat que nous avons mené. Moi, je dis avec tout le peuple haïtien, où est la question de mobilisation? Nous sommes capables de dire d'ici 30-31, nous ne pouvons pas faire encore. Et dernier bagage là, nous ne pouvons pas inviter la police pour venir battre nos gaz, pour venir arrêter les gens, pour venir battre les gens dans le figure encore. Et nous ne pouvons pas d'accord tout, Paul Mena a continué à arrêter les gens. Pour nous qui ne faisons rien, pendant que tout bandit Genève, yo là, yo pas attaqué yon. Mais par contre, leader, ou comment la police mobilisée pour craser une manifestation pacifique. Ma fini pour nous dire, peuple haïtien, nous te venons là pour nous livrer un message pour nous dire, nous pas peur, nous pas champeur. Au nom de Jésus. Arrangez-nous,
D'ici 30-31 premier, données n'ont pas changé. C'est ton plaisir. Et André Michel, on y a là, qui va prendre la parole. Mettre André Michel et la police, va y aller. Et mettre André Michel, on y a là, qui va prendre la parole. Et dans mon moment. Merci un peu là. Je dis à mercredi 20 janvier 2021. Non, comité mobilisation citoyenne pour respect constitution qui a lancé gros journée manifestation nationale jodi a dans tout pays. Non, direction politique opposition démocratique là, DIOPOD. Non, secteur démocratique et populaire. Non, tout l'autre groupe qui est en bataille. Sénateur la tortue fait que ce palais là, nous féliciter peuple haïtien qui massivement, pas bande, pas paquet, descend dans la rue, dans tout pays pour exiger respect constitution, respect article 134-2 constitution, qui dit très clairement, quel que soit le Jovenel Moïse, entré en fonction, mandat commencé 7 février 2016 et l'a fini 7 février 2021. Au nom de Jésus, l'a déchouqué. Jodi a, manifestation jodi a, journée mobilisation jodi a. C'est pour dire Biden qui prend pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Que Donald Trump fait tout mandat là, l'a supporté un bande délinquant par ici, un bande vacabon. On bande voyou, on bande sans sale, qui massacre population la saline belle cité soleil, Cafoufeuille, qui viole droit monde, qui vole tout comme pays. Nous espérons que les Américains, avec Joe Biden, a suspendre, supporter, assassin. Nous espérons avec Joe Biden, Américains, a suspendre, supporter un régime criminel. Nous espérons, communauté internationale, que mandat constitutionnel Jovenel Moïse là, l'a fini 7 février 2021. Je dis à nous devant ambassade américaine. Dans Port-au-Prince, nous tout droit qui s'est passé. Tu as gagné des dizaines de milliers de citoyens qui sont en champ de masse. Tu as commencé à tirer balles, tirer gaz sur nous. Gagné qui t'attendent nos tabacs. Gagné qui t'es déjà arrivé à Foyoport. Gagné qui a sauté Pétionville qui peut arriver. Eh bien, arrivé à Foyoport. La police nationale d'Haïti, notre police, lui utiliser la violence pour craser une manifestation pacifique. Ça veut dire aujourd'hui en Haïti, constitution pas respectée, mandat Jovenel Moïse fini, il sorti pour le quimber pouvoir. Constitution a un droit pour le manifester, il n'y a pas d'accord. Mais n'a dit, devant la face du monde, devant local ambassade américaine aujourd'hui, devant peuple haïtien, que mobilisation, c'est jeudi à même qui commence. Bataille pour respect article 134-2 constitution. C'est jeudi à même qui commence. Et moi-même, avocat, moi t'ai toujours dit, amis, mes frères, mes camarades militants qui sont en opposition, depuis que nous avons fait manifestation, il faut que nous toujours avertis la police conformément à la constitution. Et c'est ça que fait 18 janvier 2021. Nous te prenons un huissier cour de cassation. Nous voyons, dit la police, à bon manifestation, cap sorti plusieurs côtés cap vin devant l'ambassade américaine. Nous dit la police, mais parcours manifestation. Et c'est Paul Ménard même, directeur départemental de la police l'Ouest, nous t'a écrit pour nous voyer notification la police là, vaille pour manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous constatons, la police crase une manifestation pacifique. La police tombe dans piège. Yon pouvoir corrompu, yon pouvoir criminel, yon pouvoir peuple à rejeter pour li utiliser la force pour craser une manifestation pacifique. La police n'a pas ce droit. La police n'a pas le droit d'attaquer des citoyens qui défendent le droit démocratique. Yo. Et ça fait moins dit, moins pape écrit la police encore avec. Même pour demander yo. Vin bay sécurité dans manifestation. M'a fait encore. Moi-même, comme avocat, moi, dit, moi, pape écrit la police encore
pour me dire yo vinn bail sécurité dans manifestation pour m'averti yo a bien manifestation pour aller tel côté mais pas pour manifestation moi même moi pas faire et moi dit population pour yo prendre toute disposition pour faire article 134-2 constitution respecter. Yes. Tout monde cap tandem là quel que soit côté où y est on a fait non pas bon c'est vrai mais acheter ti godette seul nous mettez la caille nous. Acheter ti godette maï moulin nous mettez la caille nous ba nous temps ça. Acheter ti de l'eau mettez la caille nous. Millimètre crédit acheter ti charbon mettez la caille nous. Acheter épices mettez la caille nous parce que dans jour cap venir là yo pays a pral fermé totalement. La République sera fermée pour exiger le respect de la Constitution. Toutes les villes seront debout comme une seule femme, comme un seul homme, pour exiger le respect de la Constitution. Pays a barré, les routes seront bloquées pour exiger le respect de la Constitution. L'article 134-2 de la Constitution est clair. Et dans la bataille, pour nous joindre respect Constitution, n'a pas engagé nous, avec toute force nous, avec tout courage nous. Moi, dis encore tout le monde, mettez ces bagages à la caillou. Parce que le pays sera fermé dans les jours qui viennent pour exiger le respect de la Constitution. Il y a 13 millions de monde dans le pays. 13 millions de monde, pas qu'à croiser bras pour nous quitter 2-3 petits vacabons, Jovenel Moïse, avec 2-3 autres nègres encore, plus 2-3 nègres qui sont dans la police. Pour un pays en otage, pour écraser la constitution, écraser la loi, faire kidnapping, violer les gens, kidnapper les gens, tuer les gens. On ne peut pas accepter ça. Et je dis, c'est pour une question de déchoucage, c'est mandat constitutionnel, Jovenel Moïse qui finit. Et nous exigeons avec force le respect de l'article 134-2 de la constitution. Et nous demandons au secteur privé pour lui intervenir. Pour suspendre tes langues à Jovenel, pour dire Jovenel, ce qui va passer là, c'est où qui a provoqué, parce que où qu'on est bien, mandat ou fini, et sous choisi qu'un bel pouvoir, au-delà de temps, constitution dit pour passer, si il y a des ordres qui passent dans le pays, c'est où qui est responsable. Si il y a des choucages, c'est où qui est responsable. Si il y a des crasés brisés, c'est Jovenel qui est responsable. Nous sommes une opposition pacifique, une opposition républicaine. Et attention, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous n'allons pas nous croiser les bras pour permettre à un petit groupe de voyous de prendre en otage notre pays et notre jeune démocratie en construction. Voilà pourquoi nous disons, message là clair, et c'est aujourd'hui à même que la bataille a commencé. Toute région des Palmes, soit Gressier, passé Léogane, passé Grand Gouave, Petit Gouave, Miragouane, n'a pied demain, la caille sénateur Kassi, vive au caille. Toute zone sa yo, nan jou kap vini a bloqué. Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Croix-des-Bouquets, Mirbalet, Arcahaye, Cabaret, Saint-Marc, Gonaïve, au Cap, tout pays a, tout 10 départements, fait pour bloquer, nan jou kap vini a yo, pour exiger respect, article 134-2, constitution. Nous clair sous ça, nous pas bat bas. Dans la bataille politique, ça. Faut qu'on transition de rupture qui pour faire pour ces Petro-Caribé, pour ces massacres la Saline, Belle, Cité Soleil. Faut qu'on en transition de rupture pour nous faire conférence nationale, là, pour nous craser le système PZ sous CA. Et nous demandons tout le monde pour prendre responsabilité. Nous féliciter le secteur protestant qui, comme un seul homme, comme une seule femme, mandé respect article 134-2 de la Constitution. Nous espérons l'Église catholique, religion, pas maintenant, il va le faire tout. Nous espérons le secteur privé à faire. Nous espérons tout le monde à prendre responsabilité. Mais une chose est sûre. Même si grand pile monde qui pas vle, monde qui conservateur, mais les masses populaires, monde qui vivent dans le quartier populaire, chauffeur motocyclette, femmes, garçons qui pas travail, oui, monde qui pas ka payer caille pour yorete, monde qui pas ka payer l'école pour petit yo, monde qui pas ka manger, moun sa yo nan jou k'ap vini an yo pral pran responsabilité yo pour faire respecter article 134-2 de constitution an et moi espérer l'esprit ancêtre nou yo accompagner nous guider nous dans dernière phase bataille là. Merci en pile sénateur Kassi. Voilà, faut parler. Vous entendez Michel, même passer tout message là passé déjà. Même moi m'a fondé tout la com, m'a faut parler plus devant là. Nous avons fait une journée de travail, de messages.
Révolution. À passer des profils. Passer des profils ou pas filmer. Nous signifier la police une manifestation pacifique. Pour qui ça nous dit pacifique, c'est parce que nous croyons son message qu'elle a porté et message ça n'a pas gagné aucun marque de violence là-dedans. Parce que son message qui est clair et dans le message là nous dit, nous parlons de Trump qui t'a encouragé dictature en d'un pays, qui t'a encouragé massacre en d'un pays, qui t'a encouragé tout ce qu'on est kidnapping en d'un pays, tout mauvais acte en d'un pays, nous te vle pour nous devine dire Biden, il y a une responsabilité pour rompre avec toute histoire ça. Il y a une responsabilité pour soutenir la démocratie en d'un pays. Il y a une responsabilité pour aider respecter la constitution pays. Parce que tout pays démocratique, il y a une sarele, solidarité entre eux pour faire respecter la démocratie. Moi, quoi, après ça, la police fait jeudi. Côté, il y a des centaines de milliers de monde qui ont commencé à descendre sur route à l'aéroport. Côté, il y a des centaines de milliers de monde qui ont rassemblé un peu partout à travers le département de l'Ouest. Tant que tabac, croix des bouquets, qui ont avancé devant l'ambassade. En bien, une autre fois encore, mais ça a passé. Événement, les fêtes, tout le monde est à clair. Nous avons une capacité de convocation, nous avons une notoriété pour nous convoquer le peuple là. En bien, nous convoquer le peuple là et le peuple là répond. Et même Jean, sénateur Yuri Sodil, même Jean, et Timothée Sodil, camarade Timothée, même Jean, maître André Michel Sodil, en bien, définitivement, nous avons déclaré la guerre. La guerre pour qui ça? Pour démocratie. La guerre pour qui ça? Pour respect constitution. En mais nous-mêmes, comme première république nègre sous planète là, nous pas comme petit défi ça. Dans ce sens ça, nous engagé nous dans jour qui vient là pour nous prendre responsabilité nous. Pour nous accompagner peuple là, nous aider river faire respecter démocratie, faire respecter constitution. Et dans ce sens ça, toute disposition à prendre. Sortie 31 1er D 3, 4, 5, 6 février, barrière libre pour constitution, respecter Jean-Timothée Dilla, barrière libre. Ça n'a pas l'air là, c'est pas une question politique pure, mais c'est une question de respect constitution qui bat nous liberté pour nous vivre comme moun. C'est AXA qui mette nous ensemble comme peuple, en même pas qu'à quitter Détroit Tivacabon, venir prendre et passer en bas pied. Et je crois définitivement, peuple haïtien exprimé le jeudi. Et côté n'a pas les manifestations de tous côtés. Nous pas bat bas. Jovenel connaît quel pas qu'a fait peuple haïtien bat bas. Et jeudi, Blanc t'a supporté lui. Jean qui t'a supporté là. Qui te dit c'est sous lumière constitution ça. Il t'a supporté. Ah, mais c'est même constitution ça. Qui dit Jovenel, mandat a fini 7 février 2021. Ah, mais nous même peuple haïtien, nous avons responsabilité pour nous faire Jovenel quitter par les nationales. Même Jean. Jovenel te prend responsabilité pour te faire l'autre sénateur. 10 sénateurs que le mandat est fini en 2022, suivant la constitution, suivant la loi, j'en répète là, Amel de Dio, le mandat est fini. Moi-même, moi son témoignage. Moi-même qui là, nous sommes preuves qui prouvent que Jovenel mandat a fini 7 février 2022. 2021. Yes. Parce que le mandat PAM a fini 2022, mais suivant, nous avons dit que la constitution a avancé, Amel dit PAM non, a fini 2020. Il fait le fini 2020. Ah, mais pas là, peuple haïtien a fait le fini 7 février 2020. En avant, et c'est ça qui fait des responsabilités. Chaque monde en général. André saute cité tout secteur. Tout le monde, la presse, nous-mêmes qui là, nous consacrer la loi. Nous demandons nous pour nous porter support nous à la bataille peuple là. Et nous disons de délivrer ça là, devant l'ambassade là. Mais devant l'ambassade là, nous délivrer ça. Ça montre responsabilité nous. Ça veut dire nous prenons responsabilité nous
et nous continuons à prendre. Et 7 février 2021, ouais par ouais, entièrement pour 4 heures, Jovenel a quitté Palais National. Ouais par ouais, pour peuple à prendre destin en main, pour peuple haïtien qui a vécu dans le monde, pour moun massacre, la Saligno, capable de justice, Belé, capable de justice, pour misère qui a fini dans le pays, pour grand goût kakaba, pour jeune garçon, jeune femme, qui a joué un travail, pour permettre qu'elle construise un autre pays, pour permettre que Nekadou, si groupe policier, qui a fait des ordres dans la police, pour nettoyer la police. Parce que Nexa qui dit la jodi, avec des gaz en bas, pieds noirs, ah mais je connais qui est sur eux. C'est directeur général de la police. Léon Salles. Léon Salles, je vous ai dit là. Avec toute grande police qui a voyé Gazio, il faut un rapport. Et nous allons chercher un rapport ça pour nous poursuivre au moment opportun. Merci Peuple Haïtien, Kembe FM, Palagé. Avant de finir, je vais passer nous un gros camarade, un gros combattant qui là, qui arrive, qui pile devant l'ambassade là. Parce que je dis, nous finissons avec débat, question de pas qu'à venir devant l'ambassade là encore. Je ne sais pas comment nous allons créer problème encore sous question ambassade, parce que je dis, pas de pas coup, à partir de ça la police fait, pas quoi, c'est tout côté lié, c'est tout côté pour nous faire respecter la loi, pas quoi. Dans ce sens, professeur Mérilien, Mérilien. Ok, nous là, justement, pour nous dire, ça peuple là, peuple a déclaré, dans le jour de 20 janvier, si son persona non grata. Si son persona non grata. Non grata pour crime qu'elle aide Jovenel fait dans le pays. Côté lié de Jovenel fait des gangs pour faire massacre dans le quartier populaire. Nous avons dit Dib te dénoncé comme moun qui prend combien de millions de Jovenel pour capable aider Jovenel qui met un pouvoir pour essayer de tout le monde. Donc, si son bagage. Comment moralité pour rester là. Donc nous peuple de carré Sison à partir de persona non grata. Deuxièmement, nous là pour dire haïtien ici de l'autre bord. Faut continuer lever campé pour exiger que Biden respecte le monde. Biden te fait promesse à tout haïtien qui te vote là bas que il pas continuer supporter gouvernement gang PHTK Jovenel. L'idée, il faut mettre tout que les Américains après suspendent. Donc, ça vous dit nous, pour que Jovenel et Côte de Coule, 7 février, pour que les Américains suspendent, faire des féboricides, pour que Joe Biden respecte la parole, il faut que tous les Haïtiens nous continuent à fouler les métroles avec la paix. Pour nous dire, désormais, nous décider de prendre un destin nous-mêmes. C'est nous, Haïtiens, qui nous déterminer qui dit que ce pays a pris. C'est nous qui déterminons qui est ce que nous voulons, qui ça nous voulons, et comme pays, et pour aller vers ça nous voulons. Sans ça, dit tout le monde, il y a seul mot d'ordre, c'est mot d'ordre mobilisation jusqu'au bout. Mot d'ordre mobilisation jusqu'au bout. Et nous dit que cette fois-ci, nous avons voyagé de l'aller, nous avons entré dans une transition de rupture. Transition comme fâché. Transition côté dans notre base pour construire notre Haïti qui peut pas abandonner. Et dans ce sens, il y a des critères qui doivent respecter la joie moun pour que nous ne pas sortir de Bakoulou tout le volant. Tenez la presse, je nous te dis, nous-mêmes, M. Caleb Jean-Baptiste Bloch, avocat, nous sommes pour une présence